Salut, comment allez-vous? J'espère que ça va. Moi, ça va très très bien et je suis très contente de commencer ce nouvel épisode parce que figurez-vous, qu'on tourne la roue pour Blanche aujourd'hui. Et Blanche, justement, elle est là, mais elle ne rentre pas. Hein. Je l'attends. Hein. J'ai cadré parce que je sais qu'elle est là. Donc, on va peut-être aller la chercher dans le couloir du coup. Voilà, merci beaucoup. Eh, dis donc, tu t'es fait désirer. Hein. Comme de par hasard, j'avais squad d'amis qui s'est mis en démarrant le jeu. Pourtant, on est lundi, il est 13h, je ne sais pas pourquoi les filles ne sont pas à l'école. Mais qu'importe, on va tirer la roue. C'est ça, on va tirer la roue pour toi, Blanche. Est-ce que t'es prête à savoir ce qui t'attend? Puisque notre petit Noam, il avait été d'une génération où il fallait tirer une extension, cette fois, nous allons tirer un pack. Puis un kit, puis un mini kit. J'ai trop hâte. On va commencer par le mini kit, tiens. Hein, on va faire durer suspense. Pour le mini kit. Je vous ai pas dit ce que j'aimerais. J'aimerais bien un truc de fringue, peut-être. En tout cas, je veux pas nettoyage. Je veux pas nettoyage. Merci. Ouais, Ancient Style. Eh, c'est pas mal pour Blanche. Je trouve ça cohérent. Pour le kit d'objets maintenant, qu'est-ce que j'aimerais? Pas paranormal, j'ai pas très envie. Peut-être mon premier animal de compagnie, hein, c'est d'actualité. Pas trop lessive, j'ai pas envie non plus. Allez, on va voir. Au soir, Alex. Remarque, mon premier animal de compagnie, si j'ai pas les animaux, ça sert à rien en fait. Clairement. Oh, j'ai peur! Passion cuisine! C'est un truc de famille, ça, hein? Et alors, le moment que nous attendons tous. Oh! Alors, attendez, que je récapitule. Dans la jungle, c'est un monde de vacances comme destination nature. Décoration d'intérieur, on bougerait pas. Au restaurant, on bougerait pas. Être parent, on ne bougerait pas, mais par contre, Strangerville et mariage, je pense qu'on bougerait. Idéalement, j'ai pas envie de bouger. Mais je veux bien un monde de vacances. Restaurant, j'aimerais beaucoup. Je crois que je préférerais restaurant. Quoique je la verrais bien décoratrice d'intérieur, la petite Rose. On va voir. C'est parti. Allez, allez. Non, non, pas mariage, pas mariage! Mariage! Non, mais mariage, quoi! On va aller voir. Ça fait 2 ans qu'il est sorti ce pack. 2 ans, j'ai jamais joué avec. Hein. Voilà. Remarquez, c'est l'occasion. Oui, je vais aller voir ce qu'on doit faire. Pour passion cuisine, il nous faut construire une nouvelle cuisine avec les éléments du pack, préparer les 8 types d'ingrédients existants avec le mixeur. Une fois chaque type de pizza. Ah ouais, non mais vas-y, on est en plein dans l'Italie là. Mariage et passion cuisine, c'est bon. Je vais revoir mon ex à toutes les sauces. Oui, c'est pour ça que j'ai pas joué avec. Parce que le truc est sorti quand je me suis fait larguer par un Italien, un vrai. Donc forcément, ça calme. Goûter la focaccia, il faisait des très bonnes focaccia. Goûter la pizza étrange, préparer au moins une fois chaque type de gaufre existant. Ok, on est parti pour se maquer avec un Italien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Goûter la coffre d'amour, compléter l'aspiration, as des appareils, mania du marché. Attention, il vous faudra de l'ambroisie pour la préparer. Pensez à réunir les ingrédients et compétences nécessaires à ces préparations dès le début de la génération. Ouh, ça va me faire de la recherche, ça. Et donc, du coup, pour mariage, c'est l'amour avec un grand A. Votre héritier veut l'officialiser. Emménager à Tortosa. Voilà. Se fiancer puis demander l'élu en mariage. Ils doivent gagner leur vie uniquement grâce à la création de bouquets de mariage et de pièces montées. Possibilité d'ouvrir une boutique. Ah ouais? La vache! Profiter en amoureux de 2 plages de Tortosa s'y baigner, bon ça va être facile. Dessiner dans le sable, ok. Compléter la collection des bouteilles à la mer, ça peut être fun. Organiser les 4 types d'événements sociaux existants préalables à son mariage avec succès, en choisissant au moins 4 activités à chaque fois. Oh,
Choisir un ou plusieurs témoins, maître de cérémonie, un porteur de fleurs, d'accord. Acheter son bouquet de mariage ou le créer soi-même, d'accord. Il faudra obligatoirement penser à le tenir puis à le lancer. C'est-à-dire, en fait, si j'oublie, je divorce et je me remarie avec quelqu'un d'autre, c'est ça, en fait. Organiser sa cérémonie puis sa réception avec succès en choisissant au moins 6 activités. Danser un slow et organiser un événement renouvellement des vœux. J'en suis baba. Je ne m'attendais pas à ça pour Blanche. Remarquez, Blanche, comme la robe blanche. Oh, mais si ça se trouve, c'était prédestiné, cette histoire. Oh, incroyable. Eh ben écoutez, félicitations, ma petite Blanche. Te voilà embarquée dans une sacrée histoire. J'espère que t'es contente. Ce que j'ai complètement oublié de vous dire, c'est que pour son anniversaire, eh ben, Noam, il lui a donné 1500 simflouz, donc elle a, sur un compte. Il lui avait ouvert un compte. En fait, il lui a ouvert un compte depuis super longtemps, comme Rose, d'ailleurs. Et il avait mis de l'argent dessus. Et ben là, elle a 1500. Donc, j'ai juste récupéré les papiers du compte. Donc, voilà. Par contre, mademoiselle, tu n'es pas à l'école et ça me chagrine beaucoup. Tu as séché aujourd'hui. Est-ce qu'il serait pas temps de changer ton aspiration en as des appareils, peut-être? Peut-être que t'as super envie de te mettre à la cuisine parce que ton père t'a un peu appris. Voilà, on va mettre ça déjà direct. Ou alors, on peut faire vendeuse de nourriture. Parce qu'avant de se voir des appareils, peut-être il faut que tu vendes de la nourriture. Ouais, peut-être plutôt vendeuse. T'as envie de gagner un petit peu d'argent, quoi, tu vois. Du coup, je pense que toi, Blanche, les études, c'est pas forcément ton dada. D'ailleurs, peut-être que ta mère, elle sait même pas que t'es là. Peut-être qu'elle sait même pas que t'as séché l'école. Et peut-être que t'es ici pour t'entraîner à cuisiner avec ton père, hein? Est-ce que tu veux bien, papa, m'apprendre à faire des macaronis au fromage? Allez, montre-moi, toi qui es si fort en cuisine. Ils m'aident pas du tout. Ils m'aident pas du tout, il est parti. Comment ils sont mes macaronis? Ils sont excellents! Vous voyez, j'ai un truc. Je vais les mettre dans mon inventaire. Bon, puis il est 16h, on va se dire que je rentre à la maison, je prends ma petite sœur avec moi. Et on va dire à maman que la journée d'école était très très bien. On va mentir, bah oui. Tu chantes dans le couloir, papa. Allez, à plus, à ce week-end. On se renvoie dans une semaine. Alors, nous voilà rentrés. Ah ouais, c'est vrai qu'on a... on n'a pas beaucoup de place ici. Qu'est-ce qu'elle fait, ma mère, comme métier? Elle n'a pas d'emploi. Eh ben, elle va en prendre un. Voilà, hein, parce qu'elle devrait en avoir un depuis longtemps. Elle a un petit boulot, hein. Elle a pas beaucoup de thunes. Et nous, ben, on garde l'argent que notre père nous a donné bien précieusement. Ovulation ? Oh, elle a ses règles et tout déjà ! Oh là là ! J'ai l'impression de rendre une partie en cours ! Je la connais tellement peu ! Qu'est-ce qu'elle a comme... Elle est sûre d'elle, créative, muse, héroïne, artiste... Qu'est-ce qu'elle aime ? Elle aime la S-pop. Ok, c'est tout ? Ok. Est-ce qu'elle connaît comme personne? Bah, les mêmes que nous, hein, franchement. Non, elle connaît d'autres gens. Marc, Fatima, je sais pas qui c'est, d'accord. Elle s'entend pas trop bien avec Gretel, c'est bizarre. Ni avec Maloé, ok. Bon, bah là, y a pas grand-chose. Et dans son inventaire, qu'est-ce qu'elle a? Ah bah oui, des macaronis, c'est vrai, j'avais oublié. Ce petit jouet d'enfant, et puis ses devoirs. Je voudrais essayer. Alors, 6054, c'est juste un test. Je voudrais essayer ce stand de nourriture. Je voudrais que tu essayes de le mettre dans l'inventaire. Je voudrais que tu essayes d'aller dans la rue, genre ici, et de le placer dans le monde. Oh, elle peut. Elle peut. On va vendre des trucs dans la rue. Eh ben, hey, tu veux pas commencer? Mets tes macaronis là et commence une vente. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Je peux vendre des macaronis au fromage sur le trottoir de l'immeuble, quoi. C'est trop génial. Oh, c'est cool. Bon, alors on commence avec un stand lambda, vous avez vu. Et puis, gagner 1000 balles. Ouais. Et puis, petit à petit, eh ben, on perfectionnera notre truc, quoi. Il y a des gens qui viennent. C'est incroyable.
Oui, bah te prends pas en selfie, essaye de vendre des trucs à ce monsieur. Regarde, tu l'as pas servi. Peut-être qu'elle va faire ça le soir après l'école. Bon là, c'est des macaronis au fromage, mais peut-être qu'elle va cuisiner des gâteaux chez sa mère et qu'elle essaiera de les vendre. Qui sait? Elle essaie de se faire des thunes. Je pense que le but du jeu, c'est d'avoir un appartement à elle et de pouvoir déménager. Moi, je la verrais bien pouvoir essayer de faire ça, quoi. Elle profite de son adolescence pour s'engranger un petit peu d'argent. Attention, voilà des gens. Voilà des gens. On va essayer de convaincre d'acheter des macaronis. Ils sont très très bons. Voilà monsieur, passez derrière si vous voulez. Même si, bon, j'aurais préféré que non, mais c'est pas grave. Allez madame, c'est des super bons macaronis. C'est mon père, il est trop chef et il m'a appris à les faire. Allez monsieur, je fais un argumentaire. J'ai reçu 4 simflouzes. Ça vaut 4 simflouzes. Trop bien. Et vous avez vu du coup, j'ai mis tout ça sur mon compte. 100% sur le compte. Comme ça, c'est pas dans l'argent du foyer, c'est dans l'argent d'ici. D'ailleurs, je vais rembourser le stand de nourriture à ma mère parce que c'est pas normal que ce soit elle qui me l'ait acheté. C'est moi avec mes petites sous. Trop bien. Oui, ça marche. T'as acheté, monsieur? Allez, on achète. C'est moins cher qu'au stand de nourriture d'à côté et c'est très nourrissant parce que c'est des macaronis. Non? Bon, bah bonne nuit. Allez, allez. Par contre, jusqu'à 21h30, hein, moi après, demain j'ai école. Et j'ai même pas fait mes devoirs, j'imagine. Voilà, il est 30. Eh ben écoutez, j'arrête. Je me mets ça. Je range les objets. Je me mets ça dans l'inventaire. Oh, c'est trop cool! Je remballe et je rentre chez moi. Elle est heureuse parce que sa clientèle est satisfaite. Oh, c'est trop bien! Franchement, je suis contente. Et alors, vous savez ce qu'on peut faire aussi sinon? On peut tout à fait mettre le plat ici et appeler tout le monde à table pour que maman, elle vienne. Allez, à table! Tu vas voir ce que je suis capable de faire. Qu'est-ce qu'elle se ressemble avec sa mère? C'est ouf! Elles sont un petit peu à l'étroit dans ce petit appart, mais voilà quoi. C'est bon? Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. C'est cool, hein? C'est bientôt l'anniversaire de Rose! Ah, trop bien! C'est quand? Je crois que c'est mercredi. Dans 2 jours. Ouais, c'est ça, c'est mercredi. Eh ben, on s'entraînera à lui cuisiner des gâteaux. Est-ce que j'ai fait mes devoirs? C'est ça que je voulais voir. Non, j'ai pas fait mes devoirs. Donc, je les ferai juste après. Bonne nuit, maman! Rose, va dormir. Laisse-moi faire mes devoirs. Ouais, attends, il est minuit, je vais pas finir mes devoirs, je vais aller me coucher parce que demain, il y a école. C'est pas raisonnable, cette histoire. Elle va bientôt avoir ses premières règles. 6h du matin. Oh non, ça va être la course aux toilettes. Je vais tout de suite, pendant que j'y pense, faire un virement à maman. Voilà, je voudrais faire un petit déj. Voilà, c'est prêt. Niveau 2 de la compétence cuisine, tout ce qu'elle fait, c'est trop bon. Allez, on met au frigo et puis on part pour l'école. Elle n'a pas envie d'y aller, hein. Vous avez vu, il y a eu le petit moins là. Toi aussi, allez, file. Allez, Blanche a terminé l'école aujourd'hui. Elle est de retour. Donc moi, je pense qu'elle va s'entraîner dès maintenant à cuisiner des cupcakes à la vanille. Et comme ça, on pourra essayer d'aller les vendre. Ouais, ils sont comment? Ils sont normaux. D'accord, mets les dans ton inventaire. Et puis peut-être... Et encore un dessert, pourquoi pas. On va se lancer dans le sucré pour le début. Ce serait bien qu'elle aime la cuisine. Et on met dans l'inventaire. Et puis, bah Rose, tu peux manger le cupcake si tu veux. Moi, je vais dans la rue. Ah oui, par contre, je m'amuse pas du tout. Ça, c'est dommage. On va commencer une vente de nourriture. Oh, j'ai 2 trucs. C'est cool. On va modifier les informations. On va décrire notre stand. Sucre blanche, c'est pas mal. Je trouve que c'est vendeur. Bonjour madame, je vous fais un argumentaire de vente. Ouais, niveau 2 de charisme. Et j'ai vendu. Oh, elle mange mon cupcake. Moi, ça me fait plaisir, hein, franchement. Ah, les cupcakes, il en reste 2. Il en reste que 2, les gens. Il faudrait que vous vous décidiez parce que ça part comme des petits pains. Arrête de me parler, maman. Regardez ce monde devant mes stands. C'est cool. Mais maman! Est-ce que tu peux t'en aller, là?
Allez, va t'occuper de ma sœur, là, elle est toute seule. Oui! J'ai tout vendu! Regardez, j'ai tout vendu! Oh, c'est trop cool! J'ai plus rien. Eh ben, écoutez, c'est parfait. J'ai peint 53 simflouz. Ah, cool! Je sais pas du tout combien ça m'a coûté de base. Je range mon stand. Je rentre chez moi. Pourquoi ça marche pas? Parce que là, j'ai 53 quand même sur 1000. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Elle est un petit peu mal à l'aise, elle veut regarder la chaîne de cuisine, c'est trop bien. Je pense qu'elle est vraiment bien partie et qu'elle veut se faire des thunes vraiment avec ça. J'ai combien sur mon compte? 980. Eh, c'est pas mal, hein. Et demain, c'est l'anniversaire de Rose, je lui ferai un gâteau. Et Rose se réveille parce qu'elle a fait un cauchemar. Et oui, Blanche. Oh, Blanche, 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 Blanche. Il va falloir aller acheter des tampons. Mince, c'est déjà là. J'avais complètement... Je croyais que j'avais plus de temps, en fait. Arrête de crier, tu vas réveiller ta sœur. Ah bah voilà. Tu l'as réveillée. Merci, Rose. Ah bah Claire, elle en a des serviettes. Tu veux pas enfiler à ta fille? Moi, je dirais que le mercredi, on pourrait se dire qu'elles vont pas à l'école, quoi. Elle pourrait prendre un jour de congé parce que bon, c'est mercredi. Vous voyez ce que je veux dire? Jour de congé pour Rose, jour de congé pour Blanche. Très bien, ça va nous permettre de faire les devoirs, ça. Ou pas. Voilà, discute un petit peu avec ta sœur, c'est le jour de son anniversaire. Donc on va faire une petite fête tout à l'heure. En attendant, allez, arrête de regarder la télé. Tu vas enlever la nourriture gâtée, tu vas ranger ça. Et puis, on va s'entraîner un petit peu. Alors déjà, on va faire le gâteau pour notre sœur. T'as notre mère, elle est fusionnelle avec nous. Hein. Elle est tout le temps en train de nous parler. Tu veux pas d'ailleurs t'habiller, s'il te plaît? Oh, niveau 3! Vas-y, arrête de parler, fais ton gâteau. En même temps, on se marche dessus dans cet appart. C'est vrai que papa, il a un appart tellement grand. Voilà, ça c'est le gâteau pour tout à l'heure. Et pour mon petit stand de nourriture, on va peut-être... Alors, encore des cupcakes à la vanille, ça c'était bien vendu. Ça c'est quoi? Oh, c'est le pain de truc. Ah, des biscuits effrayants, tiens, pour changer. Des cupcakes à la carotte, ouais. Dès que je me suis remboursé mon stand, je commence à économiser pour acheter un appareil à gaufres. Et on va aller essayer de vendre ça. En plus, c'est une belle journée, ça va être trop bien. Ah, il y a Gretel. Ah oui, c'est vrai qu'elle habite dans le quartier, du coup. Et je commence ma petite vente de nourriture. Gretel, pourquoi tu dors sur un banc? C'est sa grossesse, je pense. Elle est descendue. Elle a descendu les étages, elle était blasée. Et donc du coup, elle s'affale sur le banc. Allez, il est 15h, moi j'arrête là. J'ai gagné 46 simflouz, c'est pas mal. Je vais ranger les objets et je pense que je vais les présenter à la fête d'anniversaire. Salut papa, t'es déjà là? Cool, je vais me mettre ça dans mon inventaire. Et puis, ben, on va commencer, hein. Alors, je mets les cupcakes ici, les petits gâteaux effrayants ici. Servez-vous tous. Salut Jason, tonton. Gretel, t'as accouché ou pas? J'arrive pas à savoir. Salut Maloué. Alors, est-ce que je peux pousser les assiettes tout le monde? Pardon, hein, mais je vais sortir le gâteau. Allez, viens là. Qui est cette personne? Alexandre, t'es ado et t'as une touche, mon gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'es un petit peu un indo ingrat. Hein. Allez, Rose, c'est ton anniversaire. L'adolescence, elle était perfectionniste. Elle sera malveillante. Oh là là. Perfectionniste et malveillante, ça doit être quelqu'un, peut-être une petite geek. Et voilà ma petite Rose. C'est tellement le portrait craché de sa mère aussi. Bon, et ben en tout cas, c'est pas mal. La fête est terminée. C'était assez cool. Les gens sont contents. À plus tout le monde. Ah bah tout le monde s'en va. Voilà, j'ai pas dit au revoir, mais tout le monde s'en va. Il est parti, mon cousin. Il est là. Regardez comme il est sympa. Allez, range ça. Et oui, après tu vas aller te coucher. T'inquiète pas. Un petit pipi, un petit brossage de dents et c'est parti. Allez, les filles se réveillent. Il serait peut-être temps de changer un petit peu cet appartement, enfin cette chambre, en quelque chose de plus adolescent. Je pense que quand elles seront à l'école aujourd'hui, Claire s'en occupera.
Quand Blanche et Rose rentrent de l'école, elles sont pas très très propres. Mais hop, je m'arrête. Blanche a rencontré Élodie. Elle avait la même coupe que Gretel à l'école. Et elles sont rentrées avec leur cousin aussi, je crois, qui est dans la même classe que Rose. Et ce qui attend les filles à l'intérieur, c'est une nouvelle chambre. Alexandre s'y précipite. Ne ferme pas la porte au nez. Regardez. Ça a bien changé. Alors, c'est toujours aussi rose, mais c'est plus épuré. Il y a un rendez-vous dans la chambre, apparemment. Claire a repeint cette commode et elle a enlevé les lits superposés. Elle a mis deux lits simples. Et les copains d'école l'ont remarqué aussi. Elle a acheté un PC pour Rose parce qu'elle sait que elle aime bien geeker un peu. Mais elle s'est dit aussi, si j'achète un PC pour ma petite Rose, il faut que j'achète quelque chose pour ma petite Claire. Et ce n'est pas... Ah oui, le siège. J'avais oublié. Un très beau siège aussi. Mais ça, c'est pour toutes les deux. Pour Blanche, elle a décidé de lui offrir... un gaufrier ! Eh ouais, elle lui avait entendu dire qu'elle voulait essayer de faire des gaufres. Donc, elle s'est dit... C'était moins cher que l'ordinateur. Elle s'est dit, vas-y, je prends un petit gaufrier. Eh ben écoutez-moi, c'est sur cette image de Blanche qui parle à sa nouvelle amie que je vais vous laisser. Elle est trop contente d'avoir eu un gaufrier. Les choses... commence à démarrer un petit peu, c'est cool. Je suis très, très, très contente de commencer. C'est comme une nouvelle partie pour moi. En tout cas, très contente de commencer cette nouvelle génération. J'espère que cet épisode vous a plu. Salut !